Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 août 2022 et on a fait l'effort d'être à l'heure aujourd'hui. On fera un effort pour qu'il en soit ainsi les prochains mardis. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à Delobli. Delobli qui est un village de la sous-préfecture de Diokwe, dans la région du Guémont, qui est située à 18 km de Diokwe. Et nous sommes sur un site historique du village qui s'appelle Da et Seba. Ils vont vous expliquer ça tout à l'heure, c'est-à-dire le lieu où on casse les graines. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par la vie chère. Par rapport à la vie chère, nous allons dénoncer ce qui se passe par rapport aux factures. Voilà. Donc, les factures de CIE et SODECI, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, sur les factures de la CIE, vous voyez qu'il y a trois taxes qui figurent. Il y a la redevance RTI qui nous coûte 2000 francs. La dernière fois, on a dit que malgré le fait qu'on paye la redevance, quand on n'a pas canal, on n'a pas la RTI, ce qui n'est pas normal. Avant, avec nos anciennes antennes là, même quand tu n'as pas canal, tu as la RTI, ça c'est un minimum. Mais ce qu'on voulait vous révéler, c'est qu'en fait, la redevance là, elle n'est pas venue au hasard. Il fut un temps, en 1993, les gens ont remarqué que la RTI n'avait pas suffisamment d'équipement. Donc pour les reportages, c'était difficile. La RTI devait louer avec des privés, hein, des appareils pour pouvoir faire les reportages. C'est ainsi que le DG de la RTI d'alors, Ouattara Nyonzié, a proposé qu'il soit institué une taxe qui leur permette de s'équiper. Donc c'est comme ça que cette redevance-là a été décidée. Et le 1er janvier 1994, il y a un décret qui devait être pris pour limiter le délai de paiement de cette redevance-là. Voilà, parce que la RTI avait besoin de 7 milliards pour pouvoir s'équiper. Donc normalement, une fois les 7 milliards rassemblés, voilà, on devait arrêter de payer cette redevance. Mais les gens se sont rendus compte que c'était une manne. Donc actuellement où nous vous parlons là, non seulement depuis, la RTI est toujours sous-équipée, ce qui n'est pas normal, mais on continue de payer encore cette redevance. Donc on voudrait interpeller les députés sur cette question. Voilà. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. Mais voilà pourquoi on avait mis la redevance. Et pourquoi jusqu'à présent, la RTI est toujours sous-équipée. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Parce que ce sont des milliards par mois. Imaginez le nombre d'abonnés de la CIE. Chacun paye 2000 francs. Faites le calcul. Voilà. À l'époque, au moment où on instituait cette redevance, il y avait 191 000 abonnés. Mais aujourd'hui, vous imaginez, c'est des millions d'abonnés au moins. Donc, ça, c'est le premier problème. Cette taxe a été instituée pour équiper la RTI. Après, c'est devenu un fonds qu'on devait utiliser pour équiper les structures de communication. Finalement, c'est devenu une caisse noire. On ne sait pas ce qu'on en fait. La RTI est toujours sous-équipée. La deuxième taxe qui figure sur les factures de CIE, c'est la taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères. Et ça, ce n'est pas moi qui vais vous dire. Vous-même, vous voyez, Abidjan est sale. Toutes les villes de Côte d'Ivoire sont sales. Qu'on nous dise ce qu'on fait de cette taxe qui s'élève à 915 francs, donc presque 1000 francs. Donc, ça aussi, c'est un problème. La dernière taxe qui figure sur la facture de CIE, c'est la redevance pour l'électrification rurale qui s'élève à 490 francs. Là aussi, ce n'est pas normal qu'on paye ces taxes-là depuis et qu'il y ait encore des villages qui ne soient pas électrifiés. Voilà. Donc vraiment, il faut que les députés se saisissent de ce dossier-là pour demander ce qu'on fait de toutes ces taxes-là pour que, si possible, les Ivoiriens soient libérés du paiement de ces taxes si elles ne servent pas à ce à quoi elles devaient servir. On va passer maintenant à la SODECI. La SODECI, comme la CIE, se permet ces derniers temps de ne pas donner les factures. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller sur le net pour pouvoir demander sa facture et tout ça. Non seulement on ne dépose pas les factures, donc ça surprend les usagers. Ceux qui sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de penser à ça.
quand on dépose au moins les factures, la servante ou quelqu'un à la maison peut dire au chef de ménage, voilà, il y a telle facture. Donc, les factures ne sont pas déposées. Et après, on vous envoie une facture à une pénalité, alors que vous n'aviez pas reçu la première facture. Donc ça, c'est le premier problème que les deux sociétés font aux usagers qui n'est pas normal. Maintenant, il y a eu un temps où la SODECI a lancé une promotion de compteur à 1000 francs. Mais ce qu'on n'a pas dit à tout le monde, c'est que quand on prend ces compteurs-là, il y a 190 000 qu'on doit payer. Et ces 190 000-là sont prélevés petit à petit sur les différentes factures. Donc les propriétaires de maisons s'en vont prendre ces compteurs promo-là. Et puis après, c'est les locataires qui payent. Parce que c'est les locataires qui payent les factures. Donc le propriétaire, il prend, il s'en va déposer le compteur, il n'informe pas son locataire qu'il a souscrit à ça. Et puis un matin, on vient, on coupe l'eau. Le locataire va s'informer, on l'informe qu'il y a un contrat qui courait sur 5 ans, qui est arrivé à terme et il n'a pas payé les 490 000. Alors que lui-même, il n'était pas informé. Et comme c'est le monopole, on lui dit carrément que tant qu'il ne paye pas là, on ne rétablit pas son eau. Au lieu d'avoir affaire au propriétaire qui a pris le compteur. Donc vraiment, on voudrait demander à la SODECI, même quand il y a le monopole là, on doit respecter les clients. Est-ce que c'est le locataire qui allait prendre le compteur? Adressez-vous au propriétaire. C'est lui qui a un contrat avec vous. Le locataire, lui, ne fait qu'habiter la maison et payer ses factures parce qu'il consomme. Donc vraiment, il y a des injustices qui sont liées au monopole, qui font qu'on ne respecte pas les clients, on les traite n'importe comment. On sait qu'ils sont serrés, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de courant. Tant qu'ils ne payent pas, on ne règle pas la situation. Ça, il faut que ça s'arrête. Maintenant, sur la facture de SODECI, il y a la taxe ou l'assainissement. Cette taxe-là, ça aussi, c'est nous qui payons pour qu'on puisse régler les problèmes d'assainissement. Notamment, pendant la saison sèche, on doit pouvoir curer les caniveaux. Et ça, c'est de la responsabilité de la SODECI qui perçoit cette taxe-là. Si elle la verse à l'ONAD, qu'est-ce qu'elle en fait? Nous, on ne sait pas. Ce qu'on constate, c'est que les caniveaux ne sont pas curés en saison sèche. Et maintenant, quand il y a la saison pluvieuse, on assiste à des inondations qui font des morts, on les déplore. Mais c'est parce qu'en amont, on n'a pas fait le travail qu'il fallait pour prévenir toutes ces situations. Donc en conclusion, il figure sur nos factures des taxes que nous payons et pour lesquelles on n'a pas le service escompté. Donc les députés devraient se saisir de la question de ces factures-là pour demander des comptes à l'État, pour demander des comptes aux sociétés qui reçoivent ces fonds-là, pour savoir ce qu'on en fait, pour que nous ne soyons pas satisfaits par rapport aux services qu'ils doivent fournir. Voilà. Donc, nous voulons rappeler donc, le mot d'ordre du 30 août. Ce qu'on vient de dire là, ça entre dans la cherté de la vie. Parce que si les factures ne sont pas chères, ça va alléger aussi notre consommation. Ça va alléger tout ce que nous payons. Donc il est important que les factures soient moins chères. Il est important que les factures ne nous volent pas. Voilà. Donc, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, on vous avait déjà dit que l'État se moque de nous en prenant des mesures qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Mais en plus de ces mesures qui ne s'appliquent pas sur le terrain, voilà le cas des factures, il y a le cas du transport, il y a le cas du péage de Bassam, c'est toutes ces choses-là. On dit si vous n'êtes pas d'accord avec ça, le 30 août, là, restez chez vous. Si vous sortez là, on va vous frapper, on va vous emprisonner, on va vous tuer. Parce que ici, là, on n'est pas en démocratie. C'est ceux qui manifestent dans l'intérêt de l'État, là. Eux, il n'y a pas de problème. Nous qui nous plaignons pour défendre les choses, là, il y a problème. C'est pour ça qu'on dit, restez chez vous. Et il y a des gens qui se plaignent. Oui, comment on va faire pour manger? C'est ton problème. Si tu veux, tu sors. On n'empêche personne de sortir. Mais quand on prévient là, c'est pour que les gens prennent leurs dispositions. Ceux qui sont conscients que ce qu'on dit est normal là, c'est à eux on parle. Ceux qui ont leur marché à part là, c'est pas à eux on parle. Sinon ceux qui sont conscients, ils prennent leurs dispositions et le 30 août, ils restent chez eux. C'est le sacrifice que chacun doit faire. Sans solidarité là, on va pas arriver à quelque chose. Et puis c'est nous tous qui perdons. Nous là, on joue notre rôle. C'est d'analyser les situations, c'est de donner les mots d'ordre quand c'est nécessaire. Après, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Le résultat, là, c'est nous tous qui en profitons ou c'est nous tous qui perdons. Donc, à bon entendeur, salut. L'autre sujet qu'on va aborder, c'est le sujet du foncier.
En 1998, le président Bédier a pris une nouvelle loi sur le foncier rural. Et malheureusement, à partir de 1999, nous sommes tombés dans une spirale de coups d'État, de violence, qui ont fait qu'on n'a pas pu travailler réellement sur le contenu de cette loi. Mais dans cette loi, dans les 10 ans qui suivaient la prise de la loi, les gens devaient faire l'immatriculation de leurs terres. Mais il n'y a pas eu de sensibilisation à cet effet. De sorte que les populations rurales ne sont pas informées de cette mesure qui risque pourtant de les exproprier. Et en 2013, le gouvernement a décidé de modifier l'article 6 de la loi de 1998 pour demander qu'on prolonge encore de 10 ans, accorder qu'on prolonge de 10 ans et qu'on puisse immatriculer les terres. Mais là, ça n'a pas été suivi de sensibilisation. Or, les 10 ans, là, ça finit en 2023, là. En juin 2023, ça prend fin. Ça veut dire que dans moins d'un an, on va exproprier les gens si on n'attire pas l'attention des populations sur cette question. Donc, la sensibilisation n'a pas été faite. Il y a des ONG qui ont essayé de travailler. En mars, j'étais à Danané. J'ai vu une ONG qui a sensibilisé 10 villages. Il se trouve que les gens n'étaient pas informés. Mais même quand ils sont informés, le coût de l'immatriculation est au-dessus des moyens des paysans. Pour immatriculer une seule terre, tu vas payer 600 000. Mais quand tu as plusieurs parcelles, là, tu fais comment? Donc, le premier problème, c'est que l'État n'a pas sensibilisé. Donc, il faut prolonger et maintenant sensibiliser. Mais le second, c'est qu'il faut réduire le coût de cette immatriculation pour que tout le monde puisse le faire. Donc, j'attire votre attention dessus. On va revenir dessus parce que c'est une question très importante. Sinon, les gens risquent d'être expropriés. Ça sera très grave. Vous savez à quel point le foncier est au cœur des différents conflits que nous avons connus. Donc, c'était vraiment pour vous relever cela. On va revenir dessus. Maintenant, on va parler de ce problème du Mali. L'affaire des 49 militaires. Les 49 militaires, là, ce n'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés, là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis partie au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venue, on dit, il ne faut pas que j'aie parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc dans le traitement qu'on a envers les étrangers là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je parle, c'est pas que je défende les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Cette affaire là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé? Donc a priori là, c'est nous qui avons tort, je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Tu me provoques et puis tu me menaces, ça veut dire quoi? Donc, dans tous les cas, on ne va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui. On a dit que le jeudi, on allait faire notre conférence. Mais ce qu'on voulait relever, c'est que la pétition qu'on a lancée là, ça s'adresse aux Ivoiriens qui sont conscients du fait qu'on n'a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le Mali. C'est vrai, il y a des millions de Maliens ici, mais il y a des milliers d'Ivoiriens là-bas. Et ceux qui se disent patriotes là, même quand il y a un seul Américain qui est menacé quelque part, tous les États-Unis se mobilisent. Chez nous ici là, il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés, là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale. On autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, ce n'est pas la solution. C'est pour ça que nous, on a lancé ce mot d'ordre, cette pétition, pour que tous les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il y ait guerre avec le Mali, là, ils signent cette pétition. De sorte qu'on puisse la montrer à l'État ivoirien, on puisse la montrer à l'État malien pour dire, nous là, on ne veut pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Arrangez-vous pour trouver une solution à l'amiable.
Maintenant, moi, là, je ne veux pas faire de provocation, hein, mais je vous dis aujourd'hui et maintenant que si moi, puis Chéri Balé, on me donne une mission officielle d'aller au Mali, là, moi, je reviens à les 49. Voilà. Parce que c'est une affaire de négociation, ce n'est pas une affaire de bras de fer. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous, nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août, on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Donc vraiment, on n'a qu'à faire doucement. Ça ne nous arrange pas, la guerre, là, ça ne nous arrange pas. Donc ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, signez cette pétition-là pour que ce soit un instrument de plus pour nous, un argument de plus pour nous, pour dire non à la violence, pour dire non à la guerre, pour dire oui à la diplomatie, oui à la négociation. Donc je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Bonne fête de l'Assomption à tous les catholiques et à mardi prochain.